Bonsoir tout le monde, c'est Daphné Valser et comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi pour me retrouver pour une nouvelle émission côté que nous allons parler de Causé Livre. On est en juin, donc juin, bien entendu, ça fait une passer à vacances, mais tout année ça, fête Dieu en juin et pour fête Dieu, tout le monde qui aime le livre comme ça, bon seul rendez-vous qui c'est Livre en Folie. Après deux années que Fola a été faite virtuellement, Anessa, Livre en Folie retrouve son public au Caribe Convention Center le 16 juin 2022. Bien entendu que yo pa pral quitter partie virtuelle là à l'inette parce que bon après tout c'est ce qui leur a permis de continuer à exister pendant les deux dernières années. Donc comme Max Chauvet, le directeur du journal Le Nouvelliste qui c'est une organisateur fois ça a été annoncé depuis en avril dernier. Ap gen grand journée 20 signature là qui a fait dans Caribe 16 juin mais ap gen tout toute une semaine, en fait plus qu'une semaine parce que ça va se tenir du 13 au 19 juin, donc plus qu'une semaine côté que moun ki vle ap ka acheter en ligne. Ou même qui pap ka fait déplacement pour aller dans Caribe Convention Center 16 juin 2022 et qui pral acheter en ligne ou gen tan konnen de pou monter sur site là la edo pour être à jour parce que compte à rebours la déjà lancé et wap wè que à partir du 13 juin, vous pourrez déjà commencer à acheter vos livres. Donc c'est quelques jours avant fort la cap fait le 16 et vente en ligne ça continue tout quelques jours après fort là parce que l'a fini jusque 19 juin. Pour cette 28e édition de Livre en Folie, il va avoir deux invités d'honneur tant que ça fait depuis quelques années déjà. Nous avons Louis-Philippe d'Alembert, que l'on connaît surtout pour des livres comme Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme. Nous avons tout Milwaukee Blues, qui était finaliste pour le prix Goncourt 2021, qui est un plus grand prix que vous avez en France. On a aussi comme invité d'honneur cette année l'essayiste Pierre-Raymond Dumas, qui est surtout connu lui-même pour sa chronique publiée dans Le Nouvelliste, qui s'appelle Cette transition qui n'en finit pas. Et il a aussi publié récemment, soit en 2021, des monographies qui permettent de mieux comprendre le travail de certains écrivains contemporains comme Lionel Trouillot ou encore Yannick Lyons et Kate Limos. Donc, c'est des livres qui est disponible dans la librairie, mais que tout livre ça yo, tout ça que Pierre-Raymond Dumas produit au cours des dernières années ça yo, est disponible dans Livre en Folie dans Caribe Convention Center 16 juin 2022. À côté de deux auteurs ça yo qui invité d'honneur, a un paquet l'autre auteur qui a signé un livre mais qui a des livres qui publié déjà que y a bien vendre dans Livre en Folie qui a tant nous. Dans émission jeudi, moi pral invité à faire connaissance avec trois auteurs en particulier. Nous gagne dans un premier lieu ancien député Deus Deronet qui pral présenter nous ouvrage li qui relait naufrage de la 50e législature en Haïti. Et puis nous pral gagne Véronique Dorgil qui pral présenter nous premier roman Un verre de jus et y a aussi Georges Lundi qui va nous présenter un recueil de poèmes qu'il signe dans Livre en Folie qui s'appelle Envlimé. Avant que moi quitte avec invité qui pral intervenu à tour de rôle, m'a prend un petit temps pour me remercier comme d'habitude sponsor qui permettent que émission ça possible. Dans un premier temps, ma première c'est Heineken Zero. Heineken Zero qui c'est sponsor officiel émission ça. Heineken Zero qui c'est un bière sans alcool que vous pouvez enjoy pendant lunch ou bien avant de conduire ou bien bon parce qu'avec cette chaleur aussi n'importe qui l'aura prendre. Et ma première c'est tout Belle Optique qui c'est une sponsor des premiers jours qui est avec moi depuis le m'a fait commencer. Moi j'ai tout Focal Fondation Connaissance et Liberté. Moi j'ai Titato qui c'est une activité pour tout le monde, une activité itinérante qui marche dans la ville province pour bâtir mon plaisir. D'ailleurs, pour être à cabine là, j'ai tout un calendrier que m'a permis de garder à côté maintenant. Moi j'ai tout studio de beauté Biotique qui occupe le cheveux mais avec zong moyen. Moi j'ai la Moumousse coach de style qui toujours accompagne et moi j'ai boutique Moda di Florine. Bien entendu, son boutique qui vend rad qui localisé dans le complexe Galeria dans un Willembert à Aubrun dans Pétionville. Je suis Deronet Deus, je suis économiste. Je fais des études en administration publique, en gouvernance et aussi en fiscalité. Et comme cadre de la fonction publique, j'ai été diplômé à l'ENAF, l'École nationale d'administration financière. Et là, ça m'a donné le droit de rentrer de plein droit dans la fonction publique et occuper des fonctions jusqu'à même concurrence des directeurs départementaux pour la direction départementale des impôts du Sud-Est. Mais aussi, j'ai étudié en gouvernance en Martinique ou en Haïti. Et la dernière étape, c'était
La dernière étude, c'était en Chine, Taïwan. On a étudié la stratégie du développement. Mais aussi, j'écris. Écrire, c'est comme en passion. M'écrire et me publier déjà, ça fait me publier 4 fois déjà. Me publier 2 livres qui sont sur la poésie. Publié aussi sur la science, notamment j'écris sur la décentralisation et la culture haïtienne, un livre qui est en ligne sur Amazon. Et enfin, mon dernier ouvrage, le tout dernier, c'est Naufrage de la 50e législature. Un ouvrage intéressant autour de 5 chapitres qui parlait dans le premier chapitre-là de la structure organisationnelle et fonctionnelle de la Chambre des députés et les causes de mon engagement en politique et qui font présentation de l'ensemble des, je dirais, l'ensemble des étapes qu'il y a dans la fonction parlementaire et notamment à la Chambre des députés. Et, enfin, il y a mes travaux comme législateur ou du moins comme parlementaire et mes travaux, mes actes et législatifs et tout ça au Johnny Under Livlan. Je considère que cet ouvrage, c'est comme une forme de contribution et à la lutte pour la bonne gouvernance en Haïti ou à la lutte pour la meilleure représentation en Haïti. Donc, m'a signé dans Livre en folie le 16, livre ça, dernier titre là, c'est Naufrage de la 50e législature en Haïti et que je me souhaitais que nous capvenions en folie que pour nous profiter de cette offre. J'aime dire faire un parcours comme écrire comme une passion. M'écrit avant, et disons, je me fais écrire en troisième, fait qu'a fait la littérature haïtienne, fait qu'a fait la littérature française, et que j'étais motivé par la littérature et regarder comment j'étais traduire la réalité haïtienne là, avec plus moins, avec des mots, avec des vers. Et là, je vais faire un changement. Écrit dans la science, c'est après que j'ai réalisé deuxième mémoire moins. Elle m'a fait en maîtrise, par exemple, en administration publique et gestion des collectivités territoriales. Elle m'a trouvé un mémoire intéressant pour me publier. Ça, c'est un petit parti dans la science. Et que quand j'ai abandonné la fonction administrative, pour dire, abandonné la carrière en administration publique, là, comme cadre de la fonction publique, et que je me retourné vers la politique, et que là encore, m'envisager en carrière. Et de là, je vais changer mode de façon d'écriture, je vais changer de style, que je vais rentrer là pour essayer avec des essais, avec Naufrage de la 50e législature. Et c'est un autre bagage, c'est faire en sorte à ce que nous présenter, dire la vérité avec Silao qui fait politique, avec Silao qui est dans l'université, comme des étudiants ou des collègues professeurs. Mais c'est montrer en dans le monde politique, là, qui s'est passé. C'est montrer un espace nous allons représenter un espace de pouvoir, notamment législatif, là, exécutif, là, le pouvoir judiciaire, comment ça a passé, quel lien qui gagne entre eux, comment ils synchronisent et quelle relation gagne entre l'autre secteur, notamment le secteur privé des affaires, et l'autre entité, et comment ils synchronisent, comment ils agissent dans un rapport systémique et pour permettre que nous gagnions un mode de gouvernance, nous là, peut-être résultat nous gagnions dans la société. Et ça, c'est une nouvelle expérience et ça tente. Et même j'en gagne un peu l'autre monde là qui va suivre, des monde qui vont aller les livres là, ou des étudiants, ou des collègues professeurs, ou d'autres qui sont dans la politique, qui vont essayer faire même bagarre là pour yon vendre à un public, ça yon vivre là, j'en lié là, et transformation que tu as dû gagner dans l'espace là pour améliorer les conditions de la vie. Comme député de la 50e législature, prends responsabilité pour ou écrire nos frais de la 50e législature, lui a voyé aller des doutes dans la société pour dire qu'il est député, il a été de la 50e et que mes cousins l'écrit, on les voit le dire faire ouvrage, les mêmes comment le faire sauver. Et donc, ça, c'est toute histoire que mon Dieu est capable de raconter. Mais c'était important. Moi-même, je prends sous l'angle de l'auto-évaluation. Et c'est vrai que les gens font une auto-évaluation, il faut un niveau de moralité, il faut un niveau éthique, et qu'il faut qu'on prenne distance par rapport à eux-mêmes. Et c'est ça même que m'expliquait Mounio dans le livre-là.
est-ce que m'ka sorti comme un bon député qui est passé dans 50e naufrage fait m'pa mouri, ou du moins est-ce que m'doit prendre responsabilité hein, comme corps? Nous sommes un corps à la législature, et si corps hein, li pa bon, c'est pour dire c'est tout élément yo qui est dans corps, tout composant yo qui pa bon. Mais par contre, ou capable d'expliquer, il y a une histoire, et m'pense m'fait m'devoir comme cadre, comme surtout ancien de l'ENAF, pour un niveau éthique et de déontologie ou appliqué dans fonction ou dans manière yo, et que me prend assez précaution pour me capable expliquer l'histoire dans toute la réalité et la vérité avec mon yo. Disons c'est vrai, c'est difficile certaines fois pour parler de la corruption et certaines fois pour parler comment et des combinaisons qui fait dans chambre député, mais c'est nécessaire et c'est évident. Alors c'est nécessaire, c'est fondamental à ce que vous communiquez moni pour l'autre qui vient yo qui va rentrer dans l'espace là, vous comprenez côté yo va rentrer et que yo capable mieux agir et capable corriger des erreurs que nous autres nous fait. Donc parler de naufrage de la 50e législature, j'aime dire la son forme de contribution moi qui était pour population haïtienne, la jeunesse en général, tous ceux qui veulent rentrer en politique. Mais comprenez que la situation nous avons vu aujourd'hui, catastrophe qui arrive, que sur le plan de la démocratie, que dans la vie normale, avec insécurité qui frappait tout le monde, je conclue que c'est un problème de gouvernance. C'est parce que une mauvaise gouvernance qui fait aujourd'hui, nous tous nous avons couru. Nous obligés de partir, quitter le pays, la sac la cap vivre en cachette, c'est un problème de gouvernance. Et que le livre, ça m'a dit comme une contribution pour que les gens juste comprennent comment la gouvernance prend forme en Haïti, comment les acteurs fonctionnent, qui ça qui mobilise, qui ça qui défend comme intérêt, qui ça qui gagne comme objectif en dans l'espace, les occuper en fonction. Et ça vient fait que un monde qui remet pays ou bien un monde qui a des projets pour le pays à court, à moyen, à long terme, c'est li important. C'est important pour vivre dans la foi. Dans le livre en folie, et que les gens ont un livre qu'ils viennent acheter, les gens ont un livre qu'ils viennent choisir pour lire, pour comprendre l'espace côté nous et comprendre la place dans l'espace-là, c'est le naufrage de la 50e législature en Haïti. Ce livre que m'estimais qui est intéressant, mais en dehors intéressant, qui est fondamental par rapport avec le sujet les traités, et si vous êtes intéressé à la gouvernance, à la politique, ou si vous êtes de la société civile et qu'on a besoin de comprendre le mode de fonctionnement du système politique là en Haïti, moi-même, moi encourager nous à acheter le livre, ça, c'est pas cher, c'est à 1250 gouttes, c'est disponible, mais et surtout, il y aura, c'est un prix pratiquement pour foi là. Parce que c'est un livre qui est à 1500 gouttes dans l'autre espace vivant livre en folie. Que l'autre espace qui n'est pas dans le livre en folie. Et là, il y a une journée disponible d'ici le 7 juin à Livre en folie. C'est à l'hôtel Caribé. Et le prix, je me rappelle encore, c'est à 1250 gouttes. Bonsoir. Moi, c'est Madame Dorgile, Véronique Dorgile. Moi, c'est haïtienne. Moi, c'est normalienne. Normalienne de jardinière d'enfants et moyen. J'ai eu une carrière avec les enfants. Moi, travaille dans plusieurs stations préscolaires et moi, j'ai eu une association de jardinière d'enfants côté que nous travaillons d'arrache-pied pour le bien des enfants. Mais nous pas arrêté là seulement. Moi, c'est un cadre de l'administration publique depuis des années. Moi, étudier la gestion. Moi, écrivain. Je dois dire que moi, j'ai commencé à écrire. C'est surtout les enfants qui ont incité en moi cette envie d'écrire parce que moi, j'ai monté des sketchs et organisé des séances de graduation pour eux. Et en plus, ça que, qui fait que je dis, moi, à premier essai pour un roman. Moi j'étais incité par écrit pour tout le monde. C'est parce que mon travail, moi j'ai une longue carrière, j'ai travaillé avec eux. Ce qui fait que j'ai fait une expérience. Et j'ai oublié du tout que moi j'étais étudiante à l'école normale, l'école nationale des arts, côté que moi j'ai fait le théâtre. Donc ça toujours aider moi,
fait plusieurs scénettes, écrit pour eux, écrit des petits livres, c'est surtout. Alors, je me sentais nécessité en tout, parce qu'au niveau côté que je travaille, dans plusieurs éducation, dans plusieurs centres d'éducation que je travaille en tant que professionnel, moi, j'étais toujours manqué ambiance, j'étais toujours arrangé mon façon pour me faire que. Pour me porter, pour me boucher tout vidéo. Et de là, incitation à l'écriture, et puis moi, écrit des ouvrages, des ouvrages pour tout le monde que plusieurs écoles ont servi avec eux là de nos jours. M'a dit que c'est surtout une remarque que moi fait. Parce que moi, je dis ouais, à cause de l'écrit, je connais écrit pour tout le monde, moi, fait plusieurs villes de provinciaux dans l'école, à l'offrir œuvre moi yo. Et puis moi remarqué que je ne sais pas lire encore, yo pas presque li. Yo l'ont parlé ti moun nan de livre. C'est comme si ou vini avec un sujet qui bizarre. La lecture presque pas intéressé yo encore. Et c'est ça, c'est un peu ça qui fait moi attiré par écrit roman ça, premier roman ça. Qui il y a pour le retourner, parce que l'objectif là c'est qui ça, c'est retourner jeune vers le livre, vers la plume, pour être capable yo même tout essayer ouais dans yo non seulement y a li ça que nous écrit quitter pour yo et yo même tout être capable intéressé vinn écrit tout yo même, mais yo pas yo vraiment jeune yo pas intéressé à lecture encore, yo pas intéressé, mais n'a travail nous penser quand même n'a arriver faire il y a un effort dans ça pour nous reporter vers le livre. Parce que moi, de mon temps, longtemps, quand j'étais à l'école primaire surtout, moi, j'étais gagné pour me faire résumer un livre chaque matin, chaque lundi matin. Vendredi, tu pars à la maison avec un livre que l'école te donne et tu reviens lundi avec le résumé. Donc, tu dois lire tout le livre pour pouvoir faire le résumé. Mais aujourd'hui, est-ce que cela se fait toujours dans les écoles? Je ne sais pas, mais quand même, à ce niveau, on a pu essayer de faire un effort. Si ça fait nous commencer par et écrit pour jeunes et les plus jeunes et les moins jeunes, donc de toute façon pourquoi pas, et ben c'est une réaliser ça que nous gagnons un verre de jus et ouais petit livre là il y a un suspense là dedans, il y a un suspense là dedans et c'est pas vraiment question de verre de jus vraiment non, mais c'est une histoire inédite nous sommes capables de dire qui commençait dans Gonaïve. Pour qui ça Gonaïve, ville natale moi côté me fête, c'est dans al offri livio liv timonio je senet yo et puis moi remarqué que jeunesse là pas li vraiment et puis m'a rappelé longtemps l'homme de Gonaïve comment pareil était qu'on fête nous t'ai même un journal hebdomadaire côté que n'était obligé écrit chaque semaine obligé écrit. Eh bien, ça attire l'attention et ça porte ma écrit roman ça à côté quoi après si m'pa konnen si w'ap gen chance pour Lili après que li commencé dans Gonaïve ça te konn gagner longtemps qui vinn mener nous l'en t'arrivé Port-au-Prince mais comment Port-au-Prince t'ayé donc son façon pour nous attirer attention jeune yo pour nous parce qu'on est yo curieux ta remé konnen depuis on histoire commencé ta remé konnen faire donc c'est surtout pour attirer curiosité la caillou et puis n'a tout qu'on ça apprendre lire parce que faut que moi dire un verre de jus c'est en trois tomes. Donc c'est le premier tome qui sera à Livre en folie. Donc les deux autres viendront tout de suite après. Donc c'est fascinant et comme on me l'a dit. Donc ça va toujours attiser leur attention et il y a pas besoin ouais qui ça cap venir après, qui ça cap venir après, c'est toute une chaîne d'histoire. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc un verre de jus. Donc tu vas voir. Et j'espère avoir tout dit, mais c'est surtout Gonaïve pour nous inciter jeunesse à retourner vers le livre. C'est un peu de vers le jeu, c'est encore un peu de recherche. C'est dans bon, est-ce que je suis capable de dire tout le de livre là, pas quoi ça parce que il y a des suspense nous quitter la dernière. Il y a des recherches que nous fait dans la cour souvenance. La cour soukri, la cour badio, donc c'est ça intéressant. Donc même tout ça pour attirer et attiser curiosité la caille jeune hein, qui parle besoin lit pour retourner vers le livre parce que c'est ça nos besoins. Je presque pas lire encore. Public nous viser, nous cibler dans un verre de jus, c'est surtout les jeunes. Les jeunes 14 et X.
Parce que même à 99 ans, on est jeune, entre 14, 15, 16, etc. Parce que c'est surtout jeune ça, surtout jeunesse ça, nos besoins qui pour retourner vers le livre. Ok? Donc c'est surtout eux-mêmes. Un verre de jus sera à Livre en Folie. Alors, je dois dire aussi que moi, continuer à écrire pour tout le monde, toujours, même toujours monter des sketchs, des activités pour eux. Mais à Livre en Folie, ce sera seulement le roman. Un verre de jus, et ce sera aussi notre première expérience là-bas. Donc, ce sera pas cher, c'est 1080 gouttes. Donc, un prix que tout le monde est capable d'acheter. C'est ça. Et bientôt, il y a un deuxième et troisième tome sur le marché. Parce qu'il y a quand même un tome où fait appel à l'autre. Là. Je me servis de loger dans le cabaret. Ou boue, glotte. Ou va les derniers gouttes là. Malgré ça, soif ou pas passer. Tout autant que je bois de l'eau, semble soif ou pas jamais passer. Ou boue de l'eau comme dans le canari. Moins souhait. Ou tordé comme, c'est à toi ou soif. Fil chaud, fil fret, un douce, un chaud. Depuis ou soif, moins un chaud. Yon sel kage ou bwè de l'eau jim. Yon sel penché ou bwè de l'eau kom. Ou gaga rim ou fem gaga. Depi ou soif, moins déshydraté. Ou kap bwè de l'eau, moins kap tranglé. Bonjour, moi c'est Georges Lundi. Moi gen 35 ans. Moi nan Livre Folie ane sa pou me présenter troisième recueil poésie mwen qui c'est Envlimen. Et moi étudier communication médiatique avec marketing management, mais écriture son passion que moi gagne depuis 2006. OK, et premier recueil poésie moi c'est Piqué Collé qui était sorti en 2013, deuxième là c'est Dégui qui était sorti en 2017 et Anessa Envlimen qui sont l'autre recueil son poème lyrique et son poème fleuve d'eau côté m'a raconté yon histoire là-dedans. Passion moi pour écriture li fait à partir de un déclic. Déclic là c'était assassinat papa dans l'année 2006 dans mon tissant et pendant période ça moi était vraiment kon passant pile temps pour compte moi et a écrit et pendant temps moi était commencé à partager ça moi écrit avec mes amis, famille et que on dit oh ça intéressant mais me songe premier texte que mon te vraiment aimé que m'ai écrit c'était en 2005 là ça m'était l'école toujours m'était dans réto de partager avec quelques amis m'était trouvé vraiment intéressant son texte que m'était écrit sous média en Haïti sous la presse et puis depuis là ça moi continuer mais m'capé combat me trouvé pas intéressant moi me jeter ou même pas montrer mon lit mais à partir de 2006 premier recueil moi t'ai commencé à écrire son texte était intégralement écrit sur son téléphone, un petit téléphone Nokia à l'époque. Donc passion moi a développé, moi vinn pire mais li et moi m'a écrit de temps en temps tout côté mien. Donc voilà. Assez souvent moi joine ça comme question pour qui ça c'est poésie et c'est poésie parce que pour moi c'est genre littéraire qui puis vrai, OK? Moi son poète, m'pa cacher dil. Et me penser et en pile monde attend que moi aller vers l'autre bagaille moi gon projet roman même m'pa cap dire si c'est dans un an si c'est dans deux ans mais entre-temps moi déjà gon l'autre texte poétique que m'a travaillé sur lui bien avant que moi t'ai fini en Envlimen même t'ai gain temps commencer travailler sur lui donc c'est sûr que roman a venu mais moi m'voulais toujours être poète là parce que moi réaliser que gagne pile monde qui t'ai commencé comme ça, m'cap cité Emily Prophète et Kate Limos qui t'ai commencé avec poésie et puis yo traversé dans roman et puis yo pas jamais tourné encore. Moi me penser moi voulais rester fidèle à poésie même si moi publier un roman ou bien mal écrit un roman, je voulais toujours continuer à écrire poésie parce que c'est poésie pour moi, c'est l'âme sentie mal à l'aise, c'est ça qui
c'est un coup son sorte de échappatoire pour moi ou bien c'est là me prend refuge moi c'est là me sentir moi-même tout bon vrai c'est là me sentir moi cap exprimer c'est là me joindre toute liberté pour me dire ça me penser ça me yé et ça me vle tout donc l'a toujours poésie mais à coup sûr et à bien roman tout OK et moi penser moi voulais faire carrière dans écriture m'a continué écrire poésie mais c'est sûr que am gen essai ou bien roman à Claude Jean littéraire quand même. Est-ce que gen changement qui opéré dans style moi dans façon m'écrit mon cap dit si on monte li piqué collé ou li dégui ou pral li en vlimen ou ap cap senti que c'est moi qui écrit mais gon changement m'ka dit gon évolution et c'est pas moi qui t'ai dit peut-être moi mais c'est plutôt monde qui t'ai gen chance et li manuscrit a m'pense m'a grandi temps en temps et on moun cap senti évolution à travers ça moi pral proposer sauf que contrairement à piqué collé et puis des guy qui t'ai gen des textes qui t'ai avec titre en vli mais pas gen ça c'est un poème qui commençait qui raconte ton bagage jusqu'à ce qu'elle finit donc il pas camper en quel côté donc oui gain évolution mais style moins pas changé l'homme dit ça veut dire quel que soit et ça moins écrit déjà que on monte ouais des boutons tomber sur un vlimen ou bien t'en gain une idée que c'est moi qui écrit un vlimen parler de qui ça un vlimen c'est son texte côté moi décidé partager ou bien raconter ça m'était vive et qui j'aime tes centimes 3 minutes 3 heures 3 jours 3 semaines et 3 mois après la mort maman. C'est un texte que m'était obligé font petit camper sous lit à deux reprises, m'était obligé pour un petit recul parce que et là où vivons bagaille ou décider parler de lit, li un petit genre comme si chaque fois ou a parler de lit, li faut ou vivre ça ou te vivre là. Même pas c'est tout, c'est une façon pour moi pour me dit OK son étape que m'ai passé moi fait de là et pas seulement rester dans la mort moun lan ou bien dans absence li mais plutôt li rester comme si moi wèm tant kou yon plaie OK qui pendant longtemps tes besoin guérison et puis qui vinn pi mal mais qui finalement vinn en forme qui vinn guéri. Donc voilà, en vlimè, en gros, c'est de ça li parle. Et en vlimè a disponible à Nessa dans livre en folie qu'a fait dans Caribé, dans l'hôtel Caribé, 16 juin 2022. Et son jeudi, c'est fête Dieu, donc ou cap venir, ou a besoin seulement 600 gouttes pour acheter livre là et l'a disponible dans stand correct pour. Et puis m'a bien content well pour venir, n'a fait photo ensemble, ou a bon signature, donc Matano. Donc, nous comprenons, rendez-vous à Cassina, Caribé, 16 juin 2022, avec ancien député Deus Deroner, nous avons Véronique Dorgil et tout Georges Lundi qui a signé le livre et qui a tenu de nous rendez-vous là d'ailleurs. Moi-même, avant d'aller, je prends le temps pour remercier ou même qui a regardé l'émission ça et avec tout l'autre monde qui rend le possible. Moi, je voulais citer Heineken 00 qui est sponsor officiel de l'émission. Moi, j'ai tout Focal, Fondation Connaissance et Liberté. Moi, j'ai Belle Optique, Titato, Beauty, La Moumous et puis Moda Di Floride. Moi-même, Daphné Valsin, je vais nous rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission.